Bien plein de sympas, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Hein? Bah, c'est quoi ça? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Voilà, il y aura un petit sondage. Le sondage s'affiche ici. Eh bien les gars, c'est la GoPro Hero 7 Black. Donc voilà, enfin, je viens juste de la recevoir aujourd'hui. Donc on va faire plein de tests, etc. On va pas faire un unboxing dessus parce que j'estime qu'il y en a suffisamment sur le net. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est la tester bien en temps réel. C'est-à-dire, on va faire du sport avec, on va faire du vélo, de la trotte. Je vous emmène tout de suite avec moi. On va le tester, on va la tester pendant une semaine. Et du coup, on se retrouve dans une semaine pour que je vous donne un avis constructif là-dessus. Allez, c'est parti. Lorsque l'on a la GoPro, on a bien sûr la GoPro, un boîtier étanche et des câbles. Les specs sont les suivantes. La GoPro a un capteur de 12 millions de pixels. Elle peut filmer jusqu'en 4K 60 fps. Les slow motion 1080p 240 fps. Elle va jusqu'à 10 mètres sous l'eau. Il y a un contrôle vocal. L'écran est tactile. Elle filme jusqu'en 8 fois en slow motion. Il y a un GPS, le mode HDR, l'hyper smooth et le live streaming jusqu'en 720p. Il y a bien sûr l'hyper smooth qui est une grande nouveauté. Et on a des stickers et des manuels d'utilisation qui vont vous servir à bien la prendre en main. Sinon, il y a des tutos sur le net. Ensuite, lorsque vous la commandez, il y a une carte SD qui arrive avec et ça, franchement, c'est pas mal. Stabilisation.
plusieurs jambes. Hop, ça va se relever. En route pour les pots. Youhou! Vite, du tout, vite, du tout, habitué, on va se relever. Et puis du tout, entre nous, comme on voit. On a fini. Ah, on se fait bien à faire ça. Maintenant, on va aller à un autre spot. Donc voilà les gars, nous voilà une semaine après avoir testé cette merveille. C'est le cas de le dire. Franchement, elle fait de super photos. Bien sûr, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, on parle de la GoPro Hero 7 Black. Donc, super qualité photo, super qualité vidéo. Elle fait des time warp, donc des vidéos accélérées. On a vraiment plein de modes. On peut filmer jusqu'en 4K, 30 fps, 60 fps et encore plus. Il y a plusieurs modes. On peut par exemple faire des slow motion ou quoi. On peut transférer les fichiers à nos smartphones. Et en fait, derrière, c'est ça qui a vraiment changé. C'est un écran LCD. Donc on peut voir ce qu'on filme, etc. Vraiment très bonne qualité, une luminosité. Voilà, un bon capteur, pareil, photo-vidéo. En fait, je me suis acheté, bon, déjà pour la qualité photo-vidéo. Là, je l'ai mis sur un petit flotteur. Qualité photo-vidéo, les modes time warp. Et c'est sûr que ça me change de mon ancienne GoPro, voilà. Une GoPro Hero complètement basique, il n'y avait pas d'écran derrière, mais il y avait déjà une bonne qualité. Et en fait, l'un des grands changements, c'est vraiment l'hyper smooth. L'hyper smooth, c'est super bien parce que par exemple, là je vais bouger comme ça et la caméra ne va pas du tout bouger. Et au niveau de l'interface, c'est super intuitif. Donc voilà, donc, niveau de l'interface, voilà. Donc là, vous me voyez, donc forcément, ça fait pas le focus. Bon, en gros, là, ça n'a pas fait le focus, mais bon, vous voyez à peu près comment ça rend. C'est là, on ne voit pas vraiment, mais en gros, j'ai mis, moi, mes réglages. C'est 2,7K 60 fps, je mets toujours en mode super view, c'est un mode ultra grand angle. Après, stabilisation automatique, ProTune, oui, l'obturateur en mode auto, compte VE 0, balance des blancs auto. ISO minimum 100, ISO max 800, netteté moyen, couleur GoPro, audio RAW et micro vent. Comme ça, si on fait du VTT et que ça crache vraiment des grosses rafales, bah ça va être nickel. Du coup, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, personnellement, j'ai eu une carte SD avec, donc c'est génial, hein, de 64Go, je crois, et voilà. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus détaillée, eh bien, dites-le moi en commentaire. Et en fait, je vais faire, je pense, une vidéo toutes les deux semaines. Je vais continuer mon rythme et peut-être parfois une vidéo par semaine, comme par exemple je ferai des tutos sur logiciel de montage et en même temps la semaine d'après des vidéos sur GoPro. Donc ça, je vous informerai sur mon Instagram na-pop-ytb. N'hésitez pas à me suivre. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, liker, puis partager la vidéo. Je n'ai pas fini, voilà. En réalité, j'ai un projet, mais il faut atteindre les 130 abonnés pour faire ce projet. Donc s'il vous plaît, bombardez les abonnements, partagez les vidéos, voilà. Aux 130 abonnés, je vous réserve une petite surprise. Franchement, c'est pas mal. Je vous conseille de vous abonner. Pour ceux qui aiment le sport et les vidéos réalisées avec la GoPro, vous allez kiffer. Voilà. Et aux 200 abonnés, je vous ferai une complète visite de mon décor, de mon setup qui est ici, du matériel vidéo que j'utilise, différentes caméras, les stabilisateurs, les trucs et tout. Avec quoi je monte le clavier, la souris pour quand je joue au gaming ou que je fais du montage vidéo. Vraiment l'intégralité de ma chambre en fait. Et puis une fois qu'on aura les 200 abonnés, bien je pourrai enfin vous montrer un peu le setup. C'est-à-dire je placerai ma caméra par exemple là-bas. Et du coup, ça me permettra, ça permettra à vous de voir le décor, un peu les écrans, les trucs. Pour ça, eh bien, bombardez. Pareil, les abonnements, la barre de like pour me donner de la force. 200 abonnés, setup. Et 130 abonnés, je vous réserve une surprise. Franchement,
vous n'allez pas être déçus. Et les vidéos GoPro continuent sur la chaîne. C'est franchement, allez-y. Je mettrai le lien dans la description. En plus, en ce moment, il y a une promotion sur le site GoPro. Vous avez 2 ans de garantie. Et c'était un petit peu long, là, la fin de vidéo, comme ça. Du coup, si vous voyez 10 minutes au début, ben n'avancez pas, parce que je pense que vous avez kiffé les images quand même. Il y a des images qui sont pas d'une qualité non plus extraordinaire. Je sais pas si vous, ça rendra bien. Mais en fait, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, donc voilà, j'ai essayé de régler ça comme je pouvais. Normalement, les prochaines vidéos seront d'une meilleure qualité. Donc, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, bien pour la surprise et pour bien la présentation de ma chambre, du setup. De vous abonner, de liker, de partager la vidéo afin d'être au courant. D'activer la cloche des notifications afin d'être au courant de toutes les vidéos. Bye les boys, bye les girls, c'était Natpop. Allez, ciao. Ah oui, merde, ça tourne. Ça, ouais, y a un petit bouton là. Attendez, je clique dessus.